vous êtes capable de comprendre que pour les chrétiens, cette mesure-là est difficile pendant le temps de carême, parce que ça va contre leurs habitudes. Mais vous faites appel à une solidarité nationale. Nous pouvons comment dire, en tant que Mauriciens, nous marier piquer, nous restons solidaires et qui nous pensent spécialement pour tout le monde qui est plus vulnérable et qui est capable de contaminer. Pour cela, nous devons à tout prix suivre tout le conseil que l'autorité gouvernementale peut donner. Nous devons bien être solidaires avec ça. Alors, tout ce mesure-là est difficile, mais nous sommes contents de faire un appel aussi, au-delà des mesures, qui nous vivent ce grand moment d'épreuve, de difficulté nationale, sans panique. Nous faisons un appel à la population, et aux chrétiens en particulier, et pour dire aux autres qui, bon Dieu, n'est pas envoyé nous panique et la peur. Ce qui bon Dieu inspire nous, c'est plutôt le calme, nous restons cool, nous gardons l'espérance et nous faisons confiance. Nous faisons tout ce qui nous capable pour empêcher la propagation, mais en même temps nous faisons nous confiance. Ça rappelle moi une petite histoire qui est dans l'Évangile, quand l'apôtre est dans une tempête, lors d'un bateau, Jésus approche avec eux, il dit aux autres, confiance, mot la même, pas besoin de gagner peur. Nous sommes contents de passer ce message-là avec nos bonnes camarades.